Je vais vous chanter une chanson. J'ai tout mangé le chocolat. Et j'ai tout bu le Coca-Cola. Et comme j'étais toujours pas là, j'ai tout fumé les cravennes. Je fais des bêtises, hein, des bêtises quand t'es pas là. Moi, depuis tout petit, j'aime beaucoup mon papa. Mon papa, c'est comme mon prince. Puis, mais mon papa, il était tellement content d'avoir une fille, là. Puis, il me disait toujours, t'es belle, puis t'es fine, puis t'es ma princesse. J'aime beaucoup, beaucoup mon papa. Ben, un jour, mon papa, il est parti. Avec une autre bonne femme. Elle était pas belle. Elle était pas gentille. Puis en plus, ben, il a fait des bébés. Des bébés plus beaux que moi. Et plus gentils que moi. Ben, il m'a comme un peu oublié, mon papa. Mais je veux croire que je suis restée sa princesse. Puis lui c'est mon prince. Aujourd'hui, je le vois plus. Ben, il m'écrit une carte d'anniversaire toutes les 3 ans. Mais j'y pense encore. Ben depuis, j'ai plein d'amis à l'école, j'en ai un. Ben, en fait, c'est un ami imaginaire. Parce que les garçons sont cons. Ça mange ses crottes de nez, puis ça fait des trous dans le sable. C'est toujours sale. Puis moi, j'aime pas ça. Mon papa, lui, il était propre, il sentait bon. Fait que j'en ai pas d'amis à l'école. Ben, plus tard, à l'université, j'étais très intelligente. Mon papa, il avait été très, très fier de moi. Ben oui, j'étais toujours la première. Puis les garçons, c'est pareil, hein. Bon, ils se lavaient un peu plus, mais toujours cons. Ouais, ça aime les filles avec des gros totons. Mais moi, j'ai un cerveau. Pas un petit poids. Fait que les garçons, non, c'est pas ça. Ben, plus tard, pour payer mes études, j'ai fait serveuse dans un bar où les filles dansaient. Ah là, ils sont vraiment cons, les gars. Ah là, c'est même pas un petit poids, hein. Non, je parle dans leur tête, pas dans la tête des filles. Ben, des fois, je ramenais chez nous. C'était facile, hein, ils étaient sous. Puis, ben, je leur montrais les livres que j'ai lus, les études que j'ai faites, et tout. Ils voulaient toujours me tripoter pour ça! Un jour, j'en ai eu marre. Puis, j'ai décidé de quitter ce boulot-là, c'est dégueulasse. J'ai décidé d'aller travailler dans un hôtel, par réceptionniste. Bon, moi, le téléphone, c'est pas trop mon truc. Fait que finalement, j'ai fini comme de chambre. Là, j'essaie tout le temps, toutes les fois, j'essaie de penser à un truc, là, que je pourrais, comme prendre ma revanche. Il s'écrase, c'est faire comme un avion qui s'écrase sur un gros building d'hommes. Mais j'ai fait des efforts. J'en ai eu un! Ton prénom? DSK.